Bienvenue, vous êtes hyper en avance ce soir. Vous êtes comme des fous là. Pour la lecture ce soir, ça a été un petit peu compliqué parce que je vous en ai raconté déjà pas mal sur la petite et la grande histoire du pâté en croûte, on va dire pâté. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter ce soir? J'ai trouvé. Voilà, donc on a le livre, le merveilleux livre de Johan Lastre, hein, ce chef. Grand chef, hein, qui est le roi du pâté en croûte. Donc un homme originaire du Sud et qui a son affaire sur Paris. Donc je ne sais pas, je vais vous montrer le livre. Impec. Voilà, hop. Donc ça, c'est ce que vous devez avoir chez vous, hein, si... Vraiment, vraiment, on vous le conseille. C'est la Bible. Voilà, c'est la Bible. Il a été champion du monde. Il a une boutique à Paris qui s'appelle Lastre sans apostrophe. C'est vraiment, c'est le champion du monde. Voilà. Champion du monde du pâté croûte. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Il y a des choses vraiment... C'est le bouquin qu'il faut. C'est très, très technique, mais c'est le bouquin qu'il faut. Et alors, il y en a pour tous, hein. Aussi pour des végétariens, hein. Ouais. Ouais. Il y a tout dedans. Donc toi, tu t'en es inspiré, amour, hein. Ouais, ouais, ah bah oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, complètement. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui fait du pâté croûte dans sa boutique, donc voilà, il a expérimenté tout. On a un petit peu échangé tous les deux. Il est très très sympa, très très gentil. Un homme assez accessible, ouais. Très sympa. Donc, j'avais l'intention de vous lire, ça c'est superbe aussi. Ça vous montre les possibilités qu'on peut faire, voilà. Voilà. Avec les pâtés croûtes, c'est vraiment de la libre expression, hein. On peut faire des montagnes de choses, des montagnes de choses. Il est super ce livre parce qu'il regroupe vraiment le savoir... intégrale sur le pâté croûte. C'est vraiment la grande, grande référence du pâté croûte. Alors après, hein, il a fait la même chose que moi, hein, je veux dire, Johan, hein, il s'est beaucoup inspiré de la littérature ancienne, de Brillat Savarin, et puis, de tous ces gens-là. Hein. Oh, ça y est, putain, ça va commencer. Voilà, il y a les différents moules. Donc, je vais vous lire le pâté en croûte d'aujourd'hui. Voilà, un tout petit texte qu'il a écrit sur le pâté en croûte. Donc, mes lunettes, ça ira mieux. Donc, boudé pendant longtemps, durant ces 50 dernières années, les charcutiers ont peu à peu disparu. Fut un temps pas si lointain où l'on trouvait des charcutiers à chaque coin de rue. Puis la concurrence est devenue de plus en plus rude face aux grands groupes industriels qui inondent les supermarchés de charcuterie de toutes sortes, de plus ou moins bonne qualité. Difficile de rivaliser pour le petit artisan du quartier. Pour rester rentable, certains élargirent leur gamme en devenant charcutiers-traiteurs, d'autres colmatèrent les brèches en baissant la qualité de certains produits ou en sous-traitant une partie de leurs produits aux industriels, certes moins bons, mais moins chers. Une majorité de charcutiers, au même titre que les agriculteurs, les éleveurs et autres artisans, ont été victimes de l'aberration du système et ont durement souffert du syndrome de la baisse de qualité pour baisser les prix. Ainsi que dans bon nombre de régions, le pâté en croûte autrefois, si bon et si noble, est devenu un fourre-tout de restes de viande hachée très fin et placée dans une pâte bien trop épaisse et mal cuite. Nous sommes bien loin des pâtés sculpturaux d'Antonin Carême qui feraient tourner la tête des gourmets les plus aguerris. Voilà. Donc, et puis, il y a eu un retour en fanfare, comme il le dit. Donc, les recettes historiques, la France en quelques pâtés. Donc, vous avez le pâté de Houdan, le pâté Pantin, le pâté de Chartres, le pâté Lorrain, pâté du maréchal de Contade, pâté en croûte Bressan, pâté Nîmois, pâté de Pézenas et dans certains coins du monde, le pâté chaud à la Liégeoise, la Belgique, le coulibiac ou coulibiac, oui, selon l'écriture, avec un K ou un C, le pirochki,
Donc ça, c'est en Russie. Le gâteau de lune, donc on est en Chine. La timbale en Italie. L'empanada en Espagne et paille en Grande-Bretagne. Voilà. Et puis, ben, je vais en laisser dans le livre. Voilà. Bon. Eh ben, oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, suite au... Vous vous souvenez, pour ceux qui ont été présents au dernier live avec Laurent Feuillat et... Oui, Roland Feuillat. Je dis Laurent. Parce que pareil, j'ai dit Laurent. Oh là là. Roland Feuillat et puis comment il s'appelle Jean déjà Deneau. Jean Deneau. Voilà. Donc, vous avez promis de vous donner les titres des livres qui avaient été nommés. Alors celui-là, c'était celui de Jean. Hein, c'est Jean Deneau. Ouais. Voilà. Rantillon, être un chêne. Être un chêne. Voilà. Et puis le deuxième qui avait été conseillé par Roland, voilà. C'est le livre des étudiants en biologie. Voilà, c'est la Bible. Et alors vraiment, dedans, il y a tout pour ceux qui sont intéressés par aller un peu plus loin dans leur jardin, dans leur agriculture, dans leur jardin à la maison, avec les animaux aussi. Il y a tout dedans. C'est vraiment hyper complet. On n'est pas obligé de le lire intégralement, hein, vu que c'est un livre d'études. Mais... Voilà. Bon. Exactement. Et puis, bah, le dernier, hein, voilà, le pâté en croûte. Ouais. Celui-là, là, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Hein. C'est Johann Lastre. Le pâté en croûte, c'est vraiment, c'est la Bible, c'est le plus beau livre sur le pâté en croûte. Et voilà. C'est un livre très, très abouti. Bon, allez. Bon, alors, les enfants. Je vais au bureau. On va changer de... Hein de place. On va changer de place. Alors, bonjour à tous. On va saluer qui? Alors, coucou Laurence, bonsoir Mathilde, Anne-Catherine, Naturelmi, bonsoir Nicole, coucou Tanguy, maman, Pascal, Lionel, coucou, et puis Jean, évidemment. Hello les érudits, une étape décisive va être franchie et bientôt... Nous serons les grands initiés du pâté croûte grâce à notre cher Fred. Soyons attentifs. Bon. Et bon, on va voir ça. Alors, donc aujourd'hui, une étape super importante. On a fait la farce la semaine dernière. La semaine d'avant, on a fait la pâte. Donc aujourd'hui, on va voir le montage du pâté croûte. Alors, vous allez voir, c'est relativement simple. Mais il y a des petits trucs à respecter. Il faudra que vous les respectiez absolument. Si vous voulez avoir un pâté croûte sans trou, surtout, parce que ça, c'est super important. Parce que lorsqu'on fait notre pâté croûte, on va bien évidemment mettre de la gelée dedans. Et alors, si vous avez des trous dans le pâté croûte, bah, quand vous mettez votre gelée, la gelée, elle s'en va et ça n'a plus aucun intérêt. Parce que bah, vous comprenez bien que la gelée va rentrer à l'intérieur de la viande. Et c'est super important, quoi qu'elle reste, ça va apporter du moelleux, du goût. Vous pouvez rectifier un goût dans un pâté croûte. Si vous avez remarqué, par exemple, que votre farce était un peu juste en sel, bah, vous mettez une gelée un petit peu plus salée. Et puis, du coup, ça va vous rehausser un petit peu le sel. La même chose avec le poivre. Vous voulez amener un petit peu de truffe avec la gelée, c'est super facile. Donc, bah, la gelée, on avait vu ça l'autre fois. Bah, vous me redirez si vous voulez. Si vous voulez qu'on en refasse une un jour, c'est très facile, hein, c'est un fond blanc avec un pied de veau. Tu veux dire uniquement se concentrer sur ce fond-là? Oui. Oui. Ouais, si vous voulez, mais enfin bon, est-ce que ça mérite de faire une leçon entière sur la gelée? Je dirais que non. Vous faites, si vous faites du gibier. Attends un moment. Oui. Je pense que je vais faire une petite. Est-ce que tout le monde nous entend? Ah, bon, c'est bon. Apparemment, il y a du. Ouais. Ouais. Ok. Pardon. Donc, admettons que vous fassiez un pâté croûte avec du gibier, avec de la biche. Et bien, vous avez utilisé vos os de biche avec du pied de veau et vous allez faire votre fond de la même façon qu'on a appris à faire les fonds blancs, hein, donc vous vous rappelez. Et bien, donc vous faites ça avec de la biche et puis avec votre pied. Et puis comme ça, vous avez une gelée à la biche. Voilà. Et ainsi de suite. Si c'est du pigeon, vous faites un fond blanc avec du pigeon. Bonsoir Fabienne. T'as vu, il y a le fiston qui est passé devant la caméra. Il y avait autre chose.
Il y avait autre chose que je voulais vous dire. C'est que la semaine prochaine, on fera la cuisson du pâté croûte. C'est super important de faire une leçon entière dessus. Alors, vous allez me dire, oui, mais on va s'ennuyer. Eh bien, on en profitera. J'entends, mais en anglais. Alors. Non, je parle bien français. Mais c'est bon. Un coup de Johnny Clegg. Ouais. Il vient d'appeler, il veut récupérer son pantalon. On en a un qui nous dit qu'il entend en anglais. Bah écoute, je ne sais pas comment tu as fait. Non. I speak French. Et là, tu entends français. Donc là, la semaine prochaine, ce qu'on fera, on fera un petit live en même temps que je vous expliquerai la cuisson du pâté croûte, super important, très technique. Avec la gelée à la fin, on fera un question-réponse entre nous et sur vos attentes, sur ce que vous trouvez qui va ou pas. Vous avez vu, là, je vous ai fait un petit message en début de semaine pour vous demander des choses. Et voilà, donc on en parlera mercredi prochain. On en profitera avec la cuisson du pâté croûte, comme ça je vous montrerai bien. Puis on se fera un petit question-réponse. Et n'oubliez pas, vendredi, la semaine prochaine, on aura un super invité, on aura Gilles Lartigot en invité le vendredi, qui va décaler son émission pour pouvoir rester avec nous un petit moment. Donc, on l'aura seul, voilà, parce que Gilles, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, on l'aura comme invité seul. Bon, je sais, il y en a parmi vous qui sont abonnés aussi à sa chaîne et qui le suivent. Ben voilà, nous, on parlera avec Gilles de tout un tas de choses, vous verrez. Et ça sera super sympa. Bon, allez, on va attaquer. Il y a des troublions là, ce soir. Ouais. On va attaquer le pâté croûte. Attendez, je vais juste vérifier qui est là. Ah, ils sont nombreux, hein, regarde. Ah, moi non, 18. Des petits rigolos là. Oui, bah, des troublions quoi. Naturel Mini. Avec Tanguy. Johnny Clegg vient d'appeler. Il veut récupérer son pantalon. Ah, ouais, mais non. Ah, oui, alors. Attendez, ça faut que je vous explique. C'est quand je travaillais dans les années 90 à Saint-Étienne chez Gahanière. Une fois, il y a un gars qui était de Los Angeles, donc un Américain, un cuisinier américain moitié black, moitié asiatique, et qui avait ce genre de pantalon là. Et puis on a comment bien sympathisé. Il est resté avec nous 2 ou 3 semaines, si je me rappelle bien. On a bien sympathisé et puis moi j'arrêtais pas de lui dire j'adore tes pantalons, tout ça. Et puis quand il est parti, il m'en a offert un et c'est celui-là et que je trimballe depuis 1995. Voilà pour la petite histoire, mais je n'ai pas connu Johnny Clegg. Et puis d'ailleurs, j'ai jamais été très très fan de ce qu'il faisait. Moi, c'était... Oh, dis donc. Moi, c'est plutôt ça. Mais non, mais attends, voilà, hein, moi Johnny Clegg, ça peut être Zoulou Blanc ou tout ce que tu veux. Niveau musical, c'était pas trop mon truc. Oui, voilà. Bon, allez. Allez. Assistante, oui. Sur le plan de travail. Voilà. Alors, pour le pâté croûte, il va vous falloir. En tout cas, il va très bien ce pantalon. Une pince à chiqueter. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Une pince à chiqueter. Ouais, super. Voilà. Alors, il y a des modèles différents, mais peu importe, vous trouvez ça dans les magasins spécialisés. Un scalpel médical, voilà, avec une lame neuve. Ensuite, il va falloir un double décimètre en métal, comme ça. Bon, là, ça, c'était un 30, hein, mais... C'est le gars qui dit double décimètre, qui montre un 30. Un triple décimètre. Voilà, il va vous falloir des petits emporte-pièces. Alors, qu'est-ce que c'est que des petits emporte-pièces? Voilà, c'est ça. Vous tapez sur eBay emporte-pièces, là, il y a des super boîtes, il y a des super boîtes chinoises qui fabriquent ça. Et c'est fabriqué par des enfants, c'est super fin. C'est, non, ou alors dans la caisse à jouer pour enfants aussi. Ça? Oui. Les emporte-pièces. Ouais, bon. Non, mais ça, c'est dans les magasins spécialisés en cuisine.
peut-être éviter de faire de la cuisine. C'est une blague, amour. Ouais. Oh là là. Et puis ensuite, vous avez ceux-là. Alors, effectivement, ceux-là, je les ai récupérés dans la caisse à jouer des enfants. Bah voilà. T'en as même piqué, t'en as même piqué aux filles. Voilà. Ouais. Donc ça, bon, ça, c'est dans les magasins de cuisine aussi. Et puis j'en ai d'autres avec... Chez le Wake Club. J'en ai d'autres avec des lettres. Voilà. Ça, c'est chez Jouet Club, ceux-là. Je plaisante. Voilà. Oh là là. Je sens qu'on va rigoler ce soir. Mais non. Le sérieux revient. Voilà. Très sérieux. Alors, bon. Donc, nous, on a fait de la pâte également. En avance. Alors, vous essayez de sortir votre pâte un petit peu avant. Alors, si elle est un peu dure, on va la façonner. J'ai tout qui dégringole là. Alors, vous la refaçonnez un petit peu. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un rectangle. Oui, j'ai oublié de vous montrer le moule à pâté croûte. Alors, vous savez ce que c'est, hein ? C'est pas un moule à cake, hein ? Surtout pas dans un moule à cake. Hein. Alors, pourquoi ? C'est un moule qui se démonte, bah, parce qu'il faut le démonter. Eh ben voilà. Oui, mais c'est pas une chose qui vous diote, hein, tu sais. Voilà, donc ça se démonte. Parce que si vous voulez enlever votre pâté croûte du moule à cake et que vous le démoulez, bah, c'est sûr que ça va se péter en 15 morceaux. Donc, c'est très simple. C'est un moule qui se monte là comme ça. Il y a une charnière d'un côté, une charnière de l'autre. Hop, voilà. Avec une petite goupille. Vous enfilez la goupille et ensuite vous remettez ça sur le fond du moule. Voilà. Donc moi, ils sont assez grands. Hein. Ça fait des pâtés croûtes d'à peu près 5 kilos. Alors. Commence à travailler la pâte comme ça. Vous rappelez que la pâte, quand on l'a faite, elle est assez molle. Hein. Alors, avec votre rouleau à pâtisserie, voilà. Et ensuite, on va commencer à l'étaler gentiment. Alors, vous vous rappelez ce que je vous expliquais quand on a fait le feuilletage à l'autre fois. Hein ? On met des petits coups de rouleau et on évite d'appuyer trop fort. Alors là, ce n'est pas une pâte sans gluten. Hein. On fera ça une autre fois, parce que les gens voilà, qui sont comme moi, ou comme Mini. Bah oui, comme naturel Mini. Ben, ouais. On n'est pas nombreux. Mais bon. On reste avec notre galère, là. Il y en a qui disent, je ne suis pas sûr que ma table tienne le coup. Allez. Non, mais si vous voulez éviter de faire ça, vous sortez votre pâte un petit peu avant. Voilà, j'avoue que je l'ai sorti un petit peu tard, donc bon, bah du coup... Alors vous étalez, on va essayer de faire la longueur du moule. Donc vous vérifiez de temps en temps avec votre moule, là, hop, comme ça. Donc là, vous voyez, il manque à peu près 5 cm de chaque côté. Voilà. Alors, il y a Naturalini qui dit la pâte sans gluten, c'est avec du maïs, de la châtaigne, autre. Oui, mais alors pour le pâté en croûte, là... Ça risque de poser problème, non ? Ouais. Moi, ce que je préconiserais de faire, c'est avec ou de la fécule de pomme de terre ou de la fécule de maïs. Parce que là, dans ma pâte, bah, y en a déjà. Et je pense que là, ça marchera bien. Et parce qu'il faut faire attention avec ces farines. La farine de riz, à mon avis, là, ça ne marchera pas. Mm-hmm.
La farine de châtaigne, bah, on va en mettre un petit peu, mais le problème de la farine de châtaigne, c'est que ça rend les choses molles. Et dans une pâte à pâté croûte, ce qu'on cherche, bah, c'est que ce soit un petit peu quand même croquant, un petit peu croustillant. Il faut que ça croustille. Il faut éviter que ce soit mou. Et en plus, vu que tu mets de la gelée dedans, voilà, il faut que ça barre vraiment. Il faut que ça barre vraiment le. Alors là, par contre, pour ceux qui sont allergiques. Oui, tu as bon, Naturemini. Oui, ça c'est sûr. Pas de sans gluten, c'est châtaigne, maïs et aussi sarrasin. Ouais, 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 complètement. Ouais. Mmh. Et puis, bah, y a pomme de terre, il y a. Oui. Y a oui, c'est ça, Anne-Catherine. Il y a farine de riz. Ouais, parce qu'Anne-Catherine, elle fait. Elle a un site sur lequel elle propose des recettes. Alors, il y a avec gluten, et, enfin, il y en a un avec gluten et l'autre sans. Je crois que c'est sur Facebook. Hein, c'est ça, Catherine hein. Bah, Anne-Catherine, ce serait bien que tu mettes en commentaire ta page Facebook. Le lien, ouais. On partage le lien de ta page. Anne-Catherine, elle est belge. Ce qui n'est pas une maladie hein, d'être belge. Hein, c'est... Non, non. On aime nos amis belges, ma foi, une fois. Ah oui, on les adore. On les adore. Alors voilà, vous étalez votre pâte bien gentiment, vous contrôlez régulièrement. Vous êtes à peu près à la taille. Donc, l'objectif, ça va être de faire ça. Tac, tac. Voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire des épaisseurs un peu importantes. Il faut faire entre. Allez. Il faut faire un peu moins de 1,5 cm. Il faut étaler, on est à 3 mm. Wow, putain. Alors, Naturalini qui dit oui, mais il est difficile de savoir quelle farine il faut en fonction du plat, c'est vrai. Eh ben, moi, je dirais que. Que... Il faut expérimenter. Hein, ouais, il faut essayer. Quand je fais mon gâteau sans gluten, là, comme je vous ai fait la semaine dernière, là. Voilà, ça marche bien avec de la farine de sarrasin. Non, c'est pas la semaine dernière que j'ai fait ça, c'était mais la semaine d'avant. Oui. Ça marche bien avec de la farine de sarrasin. Ça marche bien avec de la farine de riz. Je l'ai déjà fait. Aussi, ça marche bien avec de la fécule de pomme de terre. Avec de la fécule de maïs aussi. Bon, un petit peu avec tout. Mais... Après, quand je fais du pain sans gluten, moi, je fais un mélange. Voilà. On affine la pâte et on vient vérifier. Alors, vous faites une chose qui est très importante. Vous mettez votre main comme ça, vous passez votre main et vous sentez les irrégularités. Et alors, à ce moment-là, avec votre rouleau à pâtisserie, vous allez rectifier. Là, j'ai senti là, qu'il y en avait un peu. Là, hop, vous rectifiez. Alors, rectifier, ça veut dire j'appuie avec la main gauche un petit peu plus qu'avec la main droite. Voilà. Et vous repassez votre main, et ainsi de suite. Une fois que vous êtes là, vous allez vérifier un peu, vous décollez votre pâte. Là, on va venir vérifier si on est bon ou pas. Alors, on va bien mettre les deux petites goupilles vers l'extérieur du moule pour éviter de blesser notre pâte. Et là, on peut voir, il en manque un tout petit poil. Mm-mm. Un tout petit poil. Alors oui, Naturemini, Fred est un grand allergique au gluten et au lactose. Ouais. Alors pour ceux qui sont allergiques au lactose, hein, à la place de mettre du beurre, on met du saindoux. Parce que sinon, j'ai pas bien d'autres solutions. Hein. Après, sinon, il y a une solution vachement plus simple, hein, c'est bah, du pâté croûte, vous en mangez pas. Ouais. Mais il y a le ghee aussi. Ouais, mais ça, j'ai jamais essayé. Bon, alors, une fois que vous êtes là, on contrôle. Voilà, on voit que c'est un peu juste là, donc on va se rapprocher là. Voilà, on se fait un petit contrôle, tac. Tac, là on est limite, mais on va pouvoir le rattraper. Alors là, je vais revenir. Faites attention, évitez de blesser votre pâte. Là, je coupe à peu près
à 1 cm du bord du moule. Ça, je garde. Hein. OK. Est-ce que vous voyez bien, là? Est-ce qu'on voit bien? Oui, ouais. On voit bien. Là, il y a 1 cm. Je mets mon moule comme ça. Je vais le ramener jusque-là. Je mesure encore 1 cm. C'est beau. Ensuite, vous allez faire votre bord. Alors, bien droit, hein, d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors, Fred boit de la bière, mais sans gluten. Eh oui. Et ensuite, alors je vais venir glisser la pâte à l'intérieur du moule. Et là, je vais adapter. Alors, il faut travailler avec des ongles courts. Hein. Les femmes, là, quand vous faites ça, c'est impératif. Hein, parce que sinon, bah, bien évidemment, là, bah, vous allez rentrer votre ongle dans votre pâte et vous allez faire des trous. Donc, là, les ongles, c'est pas possible. Ouais. Et puis là, on continue. On façonne bien à l'intérieur du moule, on plaque. Ce n'est pas nécessaire de mettre du beurre sur votre moule, hein, parce que vu le gras qu'il y a dans le pâté, si il ne se démoule pas, alors là, c'est vraiment que vous avez merdé quelque chose. Voilà. OK. Mais surtout, vous mettez bien dans le fond du moule et puis bien la robe. Donc maintenant, on va faire les deux côtés. Alors, pour faire les deux côtés, on va récupérer les parures. Alors, on évite toujours de faire une boule. Hein. On ne fait jamais de boule. Hein. On fait ça. On plie comme ça, hop, hop. Mais ça, non. Ça, voilà, jamais ça. Alors, vous faites votre boule. Votre boule. Vous faites votre bord. Tu veux que je te dise un truc, Chouchou ? Hop, hein ? Couper. Non, pas moi. Attends. Il faut que je comble les silences. Voilà, et puis vous adaptez à la forme de votre moule. Alors ensuite, on a préparé une dorure. Alors qu'est-ce que c'est que la dorure ? C'est du jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. On va venir mettre avec un petit pinceau, on met de la dorure, là comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de me mettre, vous voyez bien, non, là, comme ça. Vous allez rentrer à l'intérieur et vous allez glisser votre fond, bien comme ça. Vous collez bien et vous faites un petit rabat. Et vous le rentrez bien dans le fond, hein. On va faire la même chose de l'autre côté. On va bien ajuster.
un petit peu de dorure. Et ensuite, je vais venir à l'intérieur du moule. Je plaque bien au fond et je fais mon raccord sur le bord. Il faut toujours avoir une marge quand même large. Voilà. Bon, alors, oui. Ah, bah, j'allais faire un gros plan. Bon, tant pis. C'est pas alors, vas-y. Mince, comment je fais pour revenir à... Clique à côté. Voilà. Il y a Naturel Mimi qui dit... On devait rire. Moi, j'aimerais bien rire aussi. Si Lémi voyait ton pantalon avec son t-shirt, quel ouais. Dommage qu'il ne voit pas ce spectacle. Il se dit dans les villages voisins que ce serait un anticorps unique contre le Covid. La Covid. Vaccin, tu n'auras pas son pantalon. Ah, vous êtes une bande de moqueurs. Ils n'ont rien d'autre à demander là. Là, je continue. Écoute, non, pas de. Bah, ils étaient en train d'échanger avec Anne-Catherine le problème de l'intolérance au gluten. Ouais. Ok. Bon, eh ben, on va continuer alors. Enfin, plus que de l'intolérance, l'allergie. On va attaquer notre montage. Alors, on a la farce de la semaine dernière. Tu n'as pas la balayette aujourd'hui. Moi, je l'ai mise sous vide parce que bah, c'était plus pratique. Hein, c'était celle de la semaine dernière, donc je l'ai mise sous vide pour pouvoir faire mon pâté croûte de façon un petit peu plus pratique. Non, ils n'ont pas de questions. Oui. Non. Oui. Alors, on va prendre notre pâte, on va faire un petit fond de notre pâte, notre farce. On va faire un petit fond. Voilà. Allez, je vais mettre 2-3 cm dans le fond. Alors après, là, vous êtes complètement libre. Hein. Vous pouvez remplir avec cette farce jusqu'en haut si vous avez envie. Mais on avait dit que je vous montrais à faire un montage. Sans trop appuyer ? Il faut appuyer un peu, mais sans trop. C'est pour ça qu'il faut que votre farce soit sortie du frigo un petit peu avant. Pour qu'elle se retempère. Mais il faut quand même essayer de chasser l'air. Et là, bah, vous allez aller jusqu'au bout. Faites bien attention quand vous rentrez les mains dedans à vos ongles. Hein ? Et puis avec une cuillère, on tasse. Alors moi, j'ai un petit outil, mais bon, là, je ne l'ai pas sorti. Et alors après, une fois que j'ai fait ça, ben je vais me dire, tiens, allez, je vais faire une couche de quelque chose. Alors, on a tué nos cochons là l'autre jour. Moi, j'ai gardé un morceau dans le rôti. On l'a bien dénervé. Alors, ce que je vais me faire des lanières. Alors vous coupez. Donc il a été mis au sel. Hein. Il reste un petit bout de nerf, je vais l'enlever. Il a été mis au sel à avant. Voilà, on va faire des jolis morceaux. Là, je vais venir déposer mes morceaux de cochon au fond du pâté. J'appuie un peu. Et je vais venir mettre le deuxième que je chevauche légèrement. Alors, c'est très simple à comprendre. Il y a une rétractation. Donc, si vous faites ça,
à la cuisson, ça va faire ça à cause de la rétractation. Si vous faites ça à la cuisson, ça va faire ça. Il y a encore du filet là. Mmh. Voilà. Et ensuite, eh ben, je vais remettre une petite couche de ma farce. Alors, je vais bien sur les bords, hein. Bien délicatement, attention à ne pas faire de trous. Si vous faites des trous, c'est la caca, la cata, la catastrophe. Et vous continuez bien délicatement jusqu'au bout. Alors, si jamais vous faites un petit trou dedans, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer après ce qu'il faudra faire. Et là, hop, vous mettez votre farce tout doucement, centimètre par centimètre. Vous tassez bien entre, le long de la pâte, entre votre insert et puis votre pâte. Et là, on continue jusqu'au bout. Il faut essayer d'être à peu près droit. Là, je suis à peine droit, alors je vais rectifier un peu. Hop, je me lave les mains, je vais faire un autre insert. Une question. Ouais. Il y a Naturel Mini qui demande d'où provient cette viande garantie sans antibiotiques, sans farine animale. Ah bah oui, 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 ça c'est de la viande de chez nous. Hein. C'est de notre cochon, donc. Ah, t'es un marrant, hein. Ouais, ouais. Oui, oui, ça, c'est à nous, ça. Ça, c'est nos cochons, donc. Ils sont élevés correctement, voilà. Si tu nous suivais un petit peu mieux de plus près, tu saurais tout ça, mon cher, hein. Au lieu de me mettre tes petites blagues sur Saxon sans arrêt, là, hein. Donc ensuite, je vais faire un autre insert. Je reste en gros plan ou pas? Ouais. Okay. Alors, vous pouvez mettre n'importe quoi, du foie gras. On a Pascal qui a fait un pâté croûte. Il m'a envoyé des photos d'un pâté croûte qu'il a fait cette semaine, foie gras et sanglier, si je me rappelle bien, qui avait l'air joli, mais avec un petit problème à la cuisson. Moi, j'ai trouvé comme ça visuellement. Après, on peut faire dans les montages des choses beaucoup plus régulières, tu verras, Pascal. Donc ensuite, là, je vais mettre, j'ai de la volaille. Donc ça, c'est de la volaille cuite, hein. C'est de la cuisse. Donc là, j'en prends quelques morceaux. Ça pourrait être du riz de veau, de la truffe, des champignons, des légumes, du poireau, etc. Et là, hop, vous allez venir. Alors, vous faites la même chose, hein. Vous montez comme ça, jamais comme ça. Parce que si vous faites ça, à la cuisson, bim, et il y a un trou. Et là, vous allez monter jusqu'au bout. On va jusqu'au bout comme ça. Par contre, si vous voulez faire un pâté croûte avec des légumes, hein, c'est vraiment une autre recette. Hein. Là, c'est autre chose. Là, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. C'est avec des légumes cuits, c'est un pâté croûte ouvert. Là, on est vraiment là, sur autre chose, sur une autre recette. Justement, il y a Anne-Catherine à ce propos qui dit « Je ne visualise pas vraiment comment on peut faire un pâté en croûte version veggie. » C'est pas veggie. Si, 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 on peut. Mais on verra ça une autre fois. Parce que si tu veux faire un pâté croûte avec des légumes, bah on peut, hein. Il y aura forcément de la matière grasse, hein, quand même. Hein. Il y aura du beurre parce qu'il faut bien faire une pâte. Hein. Non, parce que alors, après, moi, si c'est pour aller dans des trucs à faire du foie gras végétarien, pour moi, c'est des conneries sans nom. Ça.
parce on n'utilise pas ce vocabulaire. Non, c'est où on mange, c'est où on mange végétarien et on mange des légumes. Si on veut manger du steak, de légumes, moi je vois pas l'intérêt. Le steak, c'est de la viande. Donc, si tu veux faire un pâté croûte avec des légumes, tu prends la pâte qui est là, la même recette. Donc, il y a du beurre, il y a des œufs dedans. Hein. Et puis ensuite, tu vas faire cuire les légumes avant et puis tu les montes. Ça. Et au lieu de le faire cuire avec la pâte dessus, tu le fais cuire ouvert, avec un montage là, avec un petit décor, mais ouvert. Ce qui est logique, vu que les légumes, c'est rempli d'eau. Si tu le fais cuire et que tu le fermes, ça va créer de la vapeur monstrueuse dedans et c'est impossible que la pâte cuise. Voilà. Et donc, Anne-Catherine dit « Ok, légumes et tofu ou soja texturé ?» Je ne comprends pas pourquoi. Excuse-moi, Anne-Catherine, mais je ne comprends ni le sens de ta question, ni… Non, c'est si tu fais avec des légumes, bah, tu montes avec des poireaux, avec des carottes, avec des asperges, avec des petits pois. Ah bon, elle voilà, te remercie, tu... elle a compris. Ouais, ok. Ouais, parce qu'il y a un petit décalage et c'est. Ouais. Mais ouais, ouais. Non, 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 tu mets pas ni, ni du soja, ni du tofu dedans. Non, non. Non, soja. Non, non, ouais, ouais, non. Non, non, là, tu peux vraiment le faire avec des légumes frais, quoi. Hein. En fait, et puis que tu fais blanchir juste un petit peu et tu fais un montage. Il faudra que je vous retrouve des photos de pâté croûte de légumes là qu'on a fait et qui sont assez jolies. C'est avec des couleurs, ça peut être orange, rouge, vert, bleu. Non, je rigole. À l'encre. Avec toutes les couleurs ouais, dessus et ça peut être vraiment très très beau. Ça peut être très très beau, mais c'est une cuisson sans. La pâte dessus après, ouverte. Et ensuite, il faut mettre une gelée dedans. Alors forcément, si on veut rester sur du végétarien, on est obligé de faire une gelée avec du agar-agar. On peut le faire avec un petit bouillon de légumes, comme je vous avais expliqué quand on a fait le cours sur les fonds. Et il suffit de mettre une cuillère à café de agar-agar aux 2 litres à peu près. Et puis, on fait une gelée 100% végétale. Alors après, moi, le problème du agar-agar, c'est que la texture est sympa, mais en bouche, ça met longtemps à fondre. Ouais, je suis pas fan. Alors qu'une gelée faite avec du pied, une gelée naturelle faite avec du pied, ça fond bah, dès qu'on la met dans la bouche. Donc, c'est hyper agréable. Et puis, avec le collagène qu'il y a dedans, au niveau des papilles, si on met des aromates, de la truffe, là, ça colle vraiment. Alors que le agar-agar, bah, en fait, ça part directement. Alors qu'avec le pied, une gelée naturelle, voilà, là, ça colle. Et on est quand même dans un autre monde gustativement. Tiens, je vais vous présenter à ma petite équipe. Alors, attends, je vais faire une partie de mon équipe là, qui est là. Oui, parce que ta femme, tu t'en fiches. Il se cache. Oui, bah oui, non, bah, mais toi, voilà. Tout le monde te connaît, toi. Oui, mon bah, eh ben, tu ne m'as pas présenté. Bon, bah, bon, bon. Tiens. Allez. Allez. Allez, venez là, tiens. Oh, Camille. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Anne-Catherine, et il m'en manque une parce qu'elle est... elle travaille sur la ferme en ce moment. Voilà, c'est Elena. Le fiston de Fabienne. Le Fabienne que vous voyez dans les lives du vendredi et puis du mercredi. C'est Camille, voilà, qui est en apprentissage ici ouais. Avec nous. Voilà. Bon, très bien coiffé ce soir. Ben, je vois que vous n'avez rien à dire. Je n'ai pas envie de faire. Non, mais parce que. Oh là là. Anne-Catherine, elle sait. Il y en a sur Mini qui demande s'ils font déclarer. Ben, bien sûr que non. Mais bien sûr, ils sont beaux. Mais bien sûr que non. Ben, qu'ils sont pas les jeunes. Ouais, bon. Voilà. Ben, ils savent faire les pâtés croûtes. Sauf Camille qui n'en a encore jamais fait seule. Mais on va lui montrer parce que c'est un petit peu long. C'est des choses que j'ai encore du mal à déléguer. Voilà. Donc là, pour le moment, on les fait à tour de rôle, mais je suis quand même là pour regarder. Superviser. T'es le superviseur. Que tout aille bien. Le grand Manitou. On continue. Oui. Allez. Voilà. Est-ce qu'il te demande s'ils sont métalleux ? Ça arrive. Mais non. Ils ne sont pas métalleux, mais bon, ça, je vous ai déjà dit, hein, quand on rentre dans ma cuisine, de toute façon, on n'a pas le choix. Ils le sont. Oh,
mais je pense qu'ils en ont marre. Hein, il y en a qui dit non, ils sont sourds. Oui, ouais. Alors, là, je vais continuer. Alors, j'avais fait une farce à l'autre Fabienne jour. Fabienne vous dit bonjour. Ah, Fabienne, elle est là. Allez, petit maman. À demain. À demain, à demain, à demain. Donc, j'en profite pour vous dire, pour ceux qui sont dans le coin, là, on va se relancer un peu sur de la vente emportée. Là, c'est Anne-Catherine qui va s'en occuper. Et on sera sur le marché de Beaune à partir de samedi. Donc, moi, je n'y serai pas. Hein. Mais Anne-Catherine sera sur le marché de Beaune samedi pour proposer du coq au vin qu'elle va faire. Pour proposer ce magnifique pâté croûte. Et puis, pour proposer des œufs, des fromages de chèvre de chez mes cousins. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit encore ? Du fromage de tête, de la rillette. Wow. Oh, voilà, voilà. J'aimerais goûter mon rillette, d'ailleurs. Hein. Ouais, mais tu ne les mangeras pas parce que tu n'es pas gentille. tu n'es pas gentille. Ouais, donc tu vas te débrouiller tout seul. Ça, c'est une farce que j'avais fait l'autre jour, dans laquelle j'ai mis du foie gras parce que j'avais... J'avais un pâté croûte. Putain, vous êtes distrait. Hey, vous savez quoi ? C'est pour faire des pâtés croûtes, vous savez qu'il faut être quand même un petit peu concentré. Hein. Moi, j'ai besoin de me concentrer. Hein. Je ne peux pas pondre ça. Bon, c'est la dernière. Bon. Tu sais qu'il pourrait te mettre au prud'homme avec ton pantalon, Mathurini. Non, ben, je ne sais pas pourquoi, mais bon, dis-moi. Ben, à cause de ton pantalon. Ah oui, ok. Bon. Ah, vous êtes sympa. Bon, après, j'arrête. Hein. Moi, je ne dis plus rien. Je vais me faire gronder. Sinon. Donc, ça, c'était une farce que j'ai fait avec du foie. J'avais une petite truffe que Yann, que vous avez vu l'autre fois dans un live, m'avait offert. Et puis j'avais un petit bout de foie gras. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre ça dedans. Voilà. Donc là, bah, je refais une couche. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des couches très, très différentes. Voilà, je refais une petite couche là, jusqu'en haut. Presque jusqu'en haut. Alors, je vais vous dire un truc. Lorsque c'est la première fois que vous en faites du pâté croûte, on va dire que vous allez vous arrêter là. Vous allez éviter de monter. Parce que si vous montez trop haut, j'entends Carole qui rigole, là j'en ai marre. Là. Moi je vais arrêter là, si vous arrêtez pas de raconter vos conneries là, toutes les 5 minutes. Là. Bon, bref. Donc, si c'est la première fois que vous en faites, vous arrêtez là. C'est-à-dire vous arrêtez à 1 demi-centimètre du bord. Parce que vous verrez que ça sera beaucoup plus facile pour faire le couvercle. Et quand vous commencez à bien maîtriser, vous pouvez monter un petit peu plus haut. Alors moi, ben, je vais monter un petit peu plus haut, juste pour vous embêter. Tiens. Alors, là maintenant, je vais mettre des petites pistaches. Parce que j'aime bien. Oui. Il y a Pascal qui dit oui pour un court fromage de tête. Un court fromage de tête, bah, tu sais, ça, je peux te le faire en 5 minutes. Hein, ça va pas être bien compliqué. Hein. On va en parler un petit peu après. Là. Je finis ça et puis tu me reposes la question tout à l'heure. Bon, là, on a des pistaches. Donc des petites pistaches bio. Hein. Alors, faites une petite couche. Vous faites gaffe quand vous mettez ça, parce que c'est un peu dur. Si vous mettez sur le bord et que vous appuyez, vous allez faire rentrer la pistache à l'intérieur de la pâte et vous aurez un trou. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Si vous faites un trou, vous prenez un petit bout de pâte comme ça, entre vos doigts, vous faites une rustine. Vous mettez un petit peu de dorure, tac, là comme ça, et vous venez, vous faites... rustine sur votre pâte. Voilà. OK ? OK ? Ils ne répondent pas. Hein. Oh, là, là, là. Oh non, parce qu'ils en, ils en racontent hein, entre Didier et Naturel. Pff, oh là là. Et puis Tanguy aussi. Hein. C'est trop drôle. Ah bah là, je ne sais pas, il ne sait pas trop. Ah bah Didier, ça oui. Ouais. Didier, ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire un live pâté croûte de 3 heures. Hein. Non, je vais pas faire comme toi. Non, Didier dit on va attendre la cuisson pendant 4 heures en disant des conneries. Voilà. Oui, bah ça te connaît, ça. Hein. Donc vous mettez des pistaches, moi j'aime bien. Alors en plus, lorsque vous mettez des pistaches ou des.
ou quelque chose qui change vraiment la couleur, c'est-à-dire qui va être vert pour le coup. Moi, j'aime bien les mettre en haut. Évitez de mettre des choses ultra dures en haut, mais mettez-les en bas. Parce que quand on découpe le pâté croûte, si vous arrivez sur un truc dur, eh ben, lorsque vous tranchez, vous allez vriller votre tranche et ça sera impossible à couper. À savoir qu'un pâté croûte, ça se coupe toujours avec un couteau scie. Pas avec un trancheur, pas avec un couteau. Hein, ça se coupe avec un couteau scie. Un couteau scie, je vais vous montrer un couteau scie. Attends, je vais te le donner. Ouais, si tu peux le choper, s'il te plaît, mon amour. Ah, il a disparu. Le couteau scie, je sais. Bon, on le montrera tout à l'heure. Bon, alors, une fois que vous êtes là, on va reprendre notre farce et on va finir le montage du pâté croûte. Bon, il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter des petites herbes, voilà. Couteau à pain. Un couteau à pain, mais qui coupe bien. Ouais. Et ça, pour le pâté croûte, ça, c'est nickel. Alors, j'ai acheté l'année dernière un couteau à pâté croûte, ça va absolument pas. Ça va bien, mais le couteau à pâté croûte, ça va pas du tout. Donc là, avec ce qui me reste de farce, je vais mettre dessus. Et si vous voulez mettre un petit peu d'herbe, c'est le moment là. Tac, là, vous mettez un petit peu d'herbe fraîche dessus, ça va apporter une petite touche sympatoche. Donc là, vous voyez, moi, je monte vraiment jusqu'en haut. Mais ça, c'est parce que je maîtrise ma fermeture. Alors là, hop, on tasse bien. Là, c'est le moment où il faut faire aucun trou. Jean, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu suis bien? Oh, Jean. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne, Jean? Je plaisante. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas trop de bêtises qui se racontent? Voilà. On va aller jusqu'au bout. Alors vous, évidemment, chez vous, une machine sous vide, vous n'en avez certainement pas. Donc, quand vous faites votre farce, essayez de l'utiliser dans les deux jours. Bien que l'idéal, ça soit de faire le pâté croûte dans la foulée. Alors, en premier, vous faites votre pâte, et puis ensuite, vous faites votre farce. Voilà, alors, lorsqu'on est là, tu m'as torché ? Un petit papier. Hop, on essuie mes petites mimines. Donc, quand on est là, c'est très simple. Avec mon couteau, je vais couper à environ 1 cm de la pâte, de la farce. Voilà, c'est-à-dire que je vais laisser 1 cm entre la farce et puis la pâte. Donc là, je coupe doucement. Moi, je le fais autrement, mais là, je le fais vraiment, c'est pour vous montrer. Hein. Parfait, je note attentivement, dit Jean. Voilà. À savoir que moi, ce que je fais, c'est que je rabats et puis je coupe là le long du moule parce que ça va un petit peu plus vite. Et ensuite, vous allez rabattre. C'est presque religieux tout ça. Vous allez rabattre la pâte. Sur la farce. L'épaisseur de la pâte, tu nous rappelles ? Tiens. Ouais. Entre 3 et 5 mm maxi. Évitez de faire des pâtes
hyper épaisse. Ça ne sert à rien du tout. Voilà, alors là, je brûle les étapes. Là. Alors moi, je fais de la pâte, je la mets sous vide en pâton de 1 kg. À peu près. Donc là, on va recommencer. Alors vous la sortez bien un petit peu avant. Évitez de faire la même chose que moi là. Ensuite, on fait un petit rectangle et puis on va étaler. Toujours de la même façon. Qu'est-ce qu'ils disent comme Naturalini, ok chef, comment on devient chef? Chef, Fabienne, il me donne aussi faim que l'agneau qui gambade dans la prairie. Naturalini, Marthe, sort de ce corps. Didier, ah oui. Naturalini. Non, mais qui sort de ce corps? Maïté. Et Didier, ah oui, avec son gros bâton, tu m'étonnes que les jeunes, ils ne mouffetaient pas tout à l'heure. Eh ben vous êtes en forme. Voilà. Une fois qu'on est à peu près à la bonne longueur, hein, voilà. Donc là, c'est le moment de sortir ma petite balayette. C'est même pas une anguille, c'est juste de la pâte. Une fois que je suis là, hop, je vais enlever un petit peu les excédents de farine qu'il va y avoir sur ma pâte. Et puis ensuite, je vais faire la même chose là. Évitez de faire des couvercles hyper épais, hein. Ça ne sert strictement à rien du tout. Oui. Surtout qu'on double. Hein. Ici, là, vous aurez une épaisseur de pâte double. Donc, voilà. Hein. Ça fait trop en bouche. Après. Ouais, ça fait trop après. Ça fait trop. Et puis franchement, ça ne sert vraiment à rien. Donc là, la dorure. Alors allez-y généreusement. Allez-y généreusement. Excellent. On dirait une séance d'entraînement de l'artigo. Ah oui. Mais j'avais invité Gilles, là, d'ailleurs, à regarder ce live. Il m'a dit, j'ai pas le temps, parce que je prépare le mien de ce soir. Bon, ok. Donc, ensuite, vous déposez la pâte sur le moule. Vous avez bien vu? Parce que ça, je vais le faire qu'une fois. Hein. Regardez bien. Avec un couteau, vous plaquez bien contre le moule. Vous mettez bien la pointe du couteau vers le bas, jamais vers le haut, parce que quand vous allez faire ça,
et ben à un moment ou à un autre, vous allez ressortir du moule et bling, un coup dans le pâté, donc bien vers le bord. Et là, vous coupez. Vous coupez régulièrement. D'un côté et de l'autre. Tac. Voilà. Et vous coupez là. Aussi. Et voilà. Et ça, vous le gardez pour faire une quiche ou pour faire ce que vous voulez. Ensuite, vous allez rentrer un tout petit peu la pâte à l'intérieur du bord du moule. On ne voit pas très très bien. Ouais. Oui. Voilà, là, hein, vous allez rentrer comme ça, un petit peu dedans. Vous tournez votre moule. Hein. Évitez de faire ou des acrobaties ou des... Hein, évitez de vous mettre dans un sens ou dans l'autre. Non. Vous basculez votre moule dans un sens ou dans un autre. Voilà. Et ensuite, ça va être le moment de sortir la petite pince à chiqueter. Mmh. Oh, moi, il me faut mes lunettes parce que comme je ne vois plus rien, j'arrive plus à chiqueter sans les lunettes. Début de la fin. Et alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est la pince à chiqueter dans la main droite si vous êtes droitier, dans la main gauche si vous êtes gaucher. Donc, moi, je suis droitier, donc je le fais dans ce sens. Si vous êtes gaucher, bah, vous allez le faire là, dans ce sens. Donc, vous démarrez, vous mettez bien, bien à l'aise. Vous mettez votre doigt dessus et je pince. L'objectif, c'est je prends la pâte du dessus avec celle du dessous. OK ? Alors, j'essaye d'être régulier parce que si vous voulez que ce soit beau, il faut être régulier. Voilà. C'est magnifique. Et quand j'arrive là, aucune acrobatie, hein, hop, je me remets dans un bon sens de travail, et je continue. Alors moi, c'est ma question, c'est purement okay. Esthétique ou non. Ça sert à quelque chose? Non, non. Ça sert à ce que la pâte du dessus adhère à la pâte du dessous. Ah. Okay. Je pince les deux, en fait, ensemble. Et là, je continue. Alors, on essaye de garder le même angle pour que ce soit joli, hein. Et là, on va jusqu'au bout. Voilà. Alors, une fois que je suis là, je vais imaginer de faire de la décoration. Hein. Alors, avec ça, bah, ça va être, voilà. Là, ça va être facile. La première chose que je vais faire, c'est avec mon petit scalpel, ici. Alors, en premier, je mets de la dorure sur tout mon pâté. Bonsoir voilà. Sébastien Roux. Ça, c'est la première chose à faire. Ah bah Seb, toi, tu arrives à la fin, là. Ah hein. Oh bah oui. Voilà. Donc, je mets de la dorure, comme ça. Avec mon scalpel, je vais pouvoir faire des petits dessins. Alors, ouais. Je le mets juste dessus et je tire. Parce que si vous appuyez, bah vous allez faire une incision. Donc, je le pose, je tire. Je le pose, je tire. Je le pose, je tire. Si je veux faire une feuille, eh ben je fais une feuille. Hein. Hop, je fais comme ça. Tac. Et je peux dessiner des petites feuilles dessus. Voilà. Hein, avec des petites nervures comme ça, tac, 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 voilà. Tout doucement, hein. Voilà. Vous pouvez faire des petits dessins dessus, hein. N'importe quoi. Mais il faut que ce soit beau, quoi. Hein. Voilà. On peut faire même une fleur, on peut faire ce qu'on veut. Alors, si je fais des petits traits comme ça pour faire un petit damier, ben, je vais essayer de les faire ultra réguliers.
Bon, moi, je fais tout le temps ça, donc c'est vrai que c'est un geste que je commence à bien maîtriser. Voilà. Alors, de faire ça va éviter aussi qu'à la cuisson, la pâte ne craque. Parce qu'un pâté croûte, ça se cuit à four très très chaud. Voilà. Bon, il y a un manque de lumière, ce qui fait que on ne voit pas, on devine. Tu vois, ça reste assez sombre. Attends. Là. C'est moi. Ouais, Encore ça. mais de toute façon, là, le dessin, même moi, là, je le vois à peine. Donc voilà. Donc je finis. Donc, ce qui est important de retenir, c'est je n'appuie pas. Parce que si j'appuie, je coupe. Je pose et hop, je tire. Et puis quand je fais des dessins, c'est la même chose. Alors, une fois que je suis là, je vais prendre mon petit emporte-pièce qui est là. Et je vais faire mes petites cheminées. Donc, vous adaptez le nombre de cheminées à la taille de votre moule. Moi, j'en fais 4. Je démarre là. Hop. Je perce. J'enlève. Perce. J'enlève. Et ainsi de suite. Voilà. Ah, mais j'ai plein de questions. Et après, si je veux faire un petit décor, en premier, on va mettre un petit papier alu. Alors, vous prenez une feuille de papier alu, comme ça, hop, la pliez en deux autour de votre pouce, vous tournez. Et vous la mettez dans le trou. Voilà. C'est pour laisser échapper la vapeur? Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que sinon, bah. Et puis c'est pour pouvoir mettre notre gelée Et... aussi. Bon, je vais pas bien faire celui-là. T'es disponible pour deux questions? Ouais. Alors, Lionel, oui, rappelez la taille de ton moule, s'il te plaît. Il va faire à peu près 50 cm, ouais, c'est ça. Il fait 55, je crois. Ouais, il fait presque 55. Voilà, et puis... La dorure, tu nous rappelles sa composition? C'est bien de l'huile de vidange vitrée, j'avais pas vu. Oh, j'en ai marre. Jaune d'œuf et eau. Gelée de gavage, me dit Sébastien. Voilà, hop, on va faire le dernier. Et voilà. Et là maintenant, si je veux faire une petite décoration, ben, c'est très simple. Hein. Je prends mes petits restes de pâte. Et puis je prends des petites décorations. Hein. Je prends ce que je veux. Et puis ensuite, bah, je pose dessus. Ouais, c'est ça, mais il a répondu, hein, Naturel Mini, c'est jaune d'œuf Et où? et eau. Voilà. Voilà. Donc vous mettez vos petites décos autant que vous voulez, vous faites des petites fleurs, vous faites ce que vous voulez. Jean Soubiel, on dirait le Titanic. C'est-à-dire qu'il est de travers et puis qu'il va bientôt couler, hein, c'est ça? Ah, vous êtes sympa, hein.
Oui, mais pas s'agit de rentrer pas où. Oh, moi j'en peux plus. Oh non. Oh, c'est pas possible. Voilà. Mettez toutes vos petites décos. Si vous voulez faire une petite rose. Ah, je ne sais pas si j'ai envie de vous montrer à faire une rose parce que vous êtes très très dissipé ce soir. Alors pour faire une petite rose en pâté pour en pâte pour mettre sur le pâté croûte, on prend un petit peu de pâte comme ça, qu'on étale à peu près régulièrement. Voilà. Ensuite, tac, vous la roulez. Oui, tout simplement. Voilà. Vous la roulez, vous la coupez en deux. Et puis ensuite, voilà, vous faites une petite rose comme ça. Et vous pouvez venir la mettre sur un petit bout là, avec une petite feuille. Bon, moi ça je le fais jamais bah, parce qu'à la découpe, c'est une vraie galère, ça. Mais ça peut être mignon. Voilà. Puis on peut faire une petite feuille hein, si on a envie. Avec un petit peu de dorure dessus avant de faire le petit dessin. Hop, et puis on peut mettre ça comme ça. Hein. Une petite forme. Voilà. Et ainsi de suite. Alors après, avant de mettre dans votre four, n'oubliez pas de mettre un petit peu de dorure sur vos petits dessins, là, sur vos petits décos, vos petits décors. C'est trop mignon. Et voilà. Et la suite la semaine prochaine, les amis. Oh non. Oh, j'arrive pas à être dans la barre de. Ça bug. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez redemander? Donc on verra là, la cuisson là, la semaine prochaine. Moi je vais en faire un. J'en ferai un mercredi après-midi. Et puis on le cuira ensemble. Hein, voilà. Ça vous a semblé être compliqué ou pas? Didier demande si ça cuit pendant une semaine. Oui. C'est justement à cause de ça que nous cuirons la semaine prochaine. Voilà. Ah, cher Didier Merlato. Étant donné que ta farce était déjà prête à ta viande, prédécoupée, il faut plus de 2 heures de prépa sans la cuisson, demande Nature Ennemi. Alors, moi, il me faut... Quand je fais mon montage, que je suis seul, il me faut à peu près 20 minutes pour en faire deux. Donc, pour les monter. Et nous, on fait toujours la farce en grosse quantité, mais à peu près, il te faut entre hacher ta farce, finir ta farce et faire ton montage, 1 heure. Parce que si tu mets 2 heures, bon, alors, si tu n'as pas fait la pâte, oui, avec la pâte, oui, il faut 2 bonnes heures. S'il faut 20 minutes à Fred, toi, il te faut 5 heures. Ouais, ça c'est Didier, ça qui dit ça. C'est entre Didier et Nathalie. Bon, voilà. Donc ça y est, c'est fini. Ouais. Ben voilà. Bon. Bon. Bah, attends. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Hein. C'est c'est un cours un petit peu dans le silence où j'ai beaucoup travaillé et puis j'ai essayé de vous montrer tous les gestes. Doucement, essayez de le re-regarder hein, pour voir vraiment bah, quand vous le faites, en fait. Hein, vous pouvez vous le refaire en podcast. Voilà, si vous avez envie qu'on en refasse un, bah, on en refera un. Je vais vous rebalancer le même cours, en fait. Je vais vous dire que je le refais, mais je vais vous rebalancer le même. Et, merci voilà. De nous donner de ton temps. C'est super intéressant de la part de Didier. Faites attention à votre pâte, faites attention à votre farce, à l'assaisonnement, à vos assaisonnements.
Faites attention au façonnage de la pâte lorsque vous étalez votre pâte, à ne pas faire de trous, à la faire bien, bien régulière. C'est très, très important. C'est super important. Et à bien faire tout le montage, bien comme je vous ai montré. Hein? D'un côté, de l'autre, avec les deux petits morceaux sur chaque bout, en ayant une bande un petit peu large, de façon à ce que si ça se rétracte, ben, on est de la marge. Et puis, ben voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On ne peut pas défaire la... Là. La caméra. La caméra, et puis... La caméra, si, sais, si. Raser le papier. Si. Mais si, on peut. Alors, regardez, nous allons raser le pâté. Non, ça, c'était moi. Alors. Ouais, super. Merci, Didier. Oui. Voilà. Félicitations de la part de Jean. Trop merci, Lionel. Des bisous, maman. Oui. Merci de nous donner de ton temps. C'est super intéressant. Oui. Ah, c'est super comme ça, ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Bon, bah, les amis, la cuisson la semaine prochaine. Hein ? Merci, Nini. On se retrouve avec joie la semaine prochaine. Bon, voilà, je n'ai pas été très, très souriant là aujourd'hui parce que j'ai eu une sale journée. Et voilà, donc ça a été un petit peu compliqué pour moi de faire ce cours qui me demande aussi à rester très, très concentré. Donc voilà, j'ai un petit peu moins bien réagi à vos blagues que d'habitude. Mais c'était vraiment pour vous montrer ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Eh bien, des bises à tous. Et puis, on se donne rendez-vous vendredi. Alors, vendredi, soyez nombreux pour un live avec Rebecca, la louve chamane. Et puis également avec, avec Annabelle, Annabelle Gallet, qui nous parlera des fleurs de Bach pour soigner les animaux. Ouais, voilà. Du comportementalisme. Ouais, et du comportementalisme. Ça va être très, très intéressant. Et puis, donc la semaine prochaine, on fera la cuisson du pâté croûte. Mon programme de la semaine prochaine, il est déjà fait. La cuisson du pâté croûte. Et puis, vendredi prochain, Monsieur Gilles Artigo. Ouais, ouais, c'est super, ça. Voilà, voilà, voilà. Allez, on vous embrasse tous. Oui, Jean, oui. Soyez bien sages, prenez soin de vous. Et je vous dis à vendredi soir, 18h. Et d'ici là... Banzai. Comme ça. Merci d'être présent. Allez, bisous. Ciao à tous, ciao à tous. Bisous.